Une rencontre ouverte avec les réalisateurs Farida Bilyazid et Mohamed Abdelrahman Tazi s'est tenue à la bibliothèque régionale de Safi en présence de réalisateurs, d'écrivains et des représentants de sociétés civiles. Ce rendez-vous culturel a été l'occasion pour mettre en avant les visions cinématographiques de deux cinéastes pionniers dans leur domaine et d'aborder plusieurs thèmes allant du développement du champ cinématographique au Maroc en passant par l'implication des jeunes étudiants du cinéma et le fléau de l'abandon des salles de projection. Et le problème qui se pose réellement pour nous, c'est un problème d'audience. Qui dit audience, dit que le public est manquant dans nos films, dans nos salles de cinéma. Et en ce moment, il faudrait qu'on trouve le moyen de drainer ce public jeune vers les salles de cinéma, vers des conférences, connaître un petit peu le cinéma marocain. C'est la seule façon de leur faire connaître cette culture et ce volet de la culture. Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre de la programmation du Festival international cinéma et littérature de Safi, était marqué par la stature de ses invités, dont les réalisations ont nourri l'histoire du cinéma marocain et imprégné l'imaginaire collectif par des films devenus cultes tels que « Ruse de femme »,« À la recherche du mari de ma femme » ou encore « Lella Houpi ».